الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. درس مهم في بيان ما يستثنى من الكفر القولي من كتاب بغية الطالب صحيفة 145. On est dans le livre بغية الطالب concernant la science obligatoire que chaque musulman doit connaître, à la page 145, un chapitre qui est l'exception de la parole de mécréance. Il y a certaines exceptions où la personne qui a prononcé cette parole, il n'a pas mécru. Halatu sabq al-lisan, pendant lapsus de langue, quelqu'un il a dit une parole de mécréance, mais par lapsus. Il voulait dire une chose, il a dit, par exemple, il voulait dire il va à l'enfer, il dit il va au paradis, par exemple. Hatta, yani ja fi al-hadith hadak, non, quelqu'un qui a perdu sa monture ou ce qui est au-dessus de la monture, et lorsque après il s'est endormi, lorsqu'il s'est réveillé, il a vu au-dessus de la tête, au-dessus de lui, yani à côté de lui. Alors il a fait la prosternation de remerciement, il a dit Mazaqal Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Il a dit tu es mon esclave, je suis ton seigneur. Il voulait dire oh Allah, tu es mon créateur, je suis ton serviteur, je suis ton esclave. Il s'est trompé, il n'a pas mécru, parce que tu vois à la base il veut admettre qu'il est un esclave pauvre qui a besoin de la clémence de Dieu. Idhan halatu sabq al-lisan, لأن هذا الكلام خرج من غير إرادة. لا, cette parole est sortie involontairement. Alors, il n'est pas concerné cette personne. Il n'a pas commis ni mécréance ni péché. بس للتنبيه أن الأنبياء لا يتأتى منهم لا يحصل منهم سبق اللسان لأن الأنبياء يبلغون والناس تنقل عنهم فالله يحفظهم من سبق اللسان. Seulement, une chose importante à savoir, que les prophètes ne tombent pas dans les lapsus de langue, parce que les prophètes transmettent de la part de Dieu et les gens vont rapporter. Alors on ne peut pas dire oui, peut-être il a fait un lapsus. Non, Allah Ta'ala les préserve et les prophètes ne font pas des lapsus ni dans la religion ni dans les paroles normales. La yaqa minhum sabq lisan la fi shar'iyat wa la fi al-'adiyat. Hatta sabq lisan yusamma kadhib ghayr muta'ammad. On dit lapsus de langue, c'est du mensonge involontaire et les prophètes sont immunisés contre les mensonges. Halatu ghaibubat al-aql, les hadiths où nous rufi'a al-qalam an thalath, wa fiha an al-majnouni hatta yafiq. Idhan, fi hal ghaibubat al-aql, fi hal al-junoun, fi hal al-ighma, fi hal al-naum, al-insan al-ghayr mukallaf fi hadhihi al-hala. Alors, pendant l'absence de la raison, la personne n'est pas concernée par l'écriture des anges, puisque dans le hadith Torah, personnes ne sont pas concernées par l'écriture, et il a cité le fou jusqu'il se réveille, jusqu'il se trouve guérison de la folie. Ou celui qui est dans l'évanouissement, il s'est évanoui encore, celui-là il n'est pas dans l'état où il a la raison. Et celui qui est en sommeil, malgré que des fois dans le sommeil, dans le rêve, tu raisonnes bien. Dans le rêve, il te pose des questions, tu réponds, tu donnes des preuves, des arguments, mais des fois non. Alors dans l'état en général, celui qui est en sommeil n'est pas dans l'état de taklif. Dans le hadith, encore, que celui qui est en sommeil n'est pas concerné par l'écriture des anges jusqu'il se réveille. إذن حالة غبوبة العقل يدخل فيها هذا الجنون والإغماء والنوم. طيب السكر, حالة السكر حنفصل فيها. Alors on a dit la folie, l'évanouissement, le sommeil, tout ça, ça rentre dans celui qui n'a pas de raison. Et celui qui est ivre. لنأخذ الحكم أولا من حيث العموم الذي يغيب عقله ولو بالسكر هو الآن إذا تكلم بالكفر وكان غائب العقل لا يكفر عند الله ليس بكافر عند الله. Celui qui a parlé, qui a prononcé une parole de kufr pendant l'absence de raison suite à l'alcool qu'il a bu. ما في حمزة مرة حمزة عم النبي حمزة عم النبي. Avant l'interdiction de l'alcool, لأنه كان حكمه إيش يقال لا حكم. مش إنه منقول كان حلال. On dit pas que le jugement que l'alcool était halal. On dit لا حكم. Pas de jugement.
يعني on n'a pas dit que c'est haram. Alors ils ont bu. Et il y avait le fait d'éviter de d'aller en pour la prière en étant ivre. فحمزه قال ان انتم الا عبيد ابي. Il était ivre et il a dit vous êtes les esclaves de mon père. Pendant l'ivresse, et il y avait Sayyidina Muhammad avec les gens. On n'a pas dit que Hamza a mécru. Even, celui qui est dans l'ivresse a perdu raison, celui dont l'ivresse a perdu raison, celui-là, selon le jugement de Dieu, s'il a prononcé la parole de Kufur, il n'a pas mécru. عندنا نحن إيش معرفنا الآن الذي سكر والسكر حرام الآن. Celui qui a bu l'alcool, et l'alcool est interdit, le jugement est interdit. Celui qui boit l'alcool, c'est un grand péché. Et celui qui a bu l'alcool et il a prononcé la parole de kufur pendant l'ivresse. On dit comme ça, s'il comprend ce qu'il dit, s'il était dans l'état d'éveil, il n'est pas dans l'ivresse, et il a dit ça, il a mécru. Pour nous et selon le jugement de Dieu. S'il était dans l'état de l'ivresse, selon le jugement de Dieu, il n'est pas mécréant, mais nous, on le juge mécréant, parce qu'on ne sait pas dans quel état. إذن, من نطق بالكفر في حال غيبوبة العقل بسبب السكر فنقول إن كان صاحي واعي لما يقول كافر عندنا وعند الله وإن لم يكن صاحي وواعي لما يقول غائب عقله كليا فعند الله ليس بكافر لكن نحن حكمنا ظاهرا بكفره فبالتالي لو قال لنا أنا كنت غائب العقل نقول له إذن تشهد أمامنا ولو ظاهرا. On lui dit fais le deux témoignages devant nous. Selon le jugement de Dieu, si tu es ivre, tu n'as pas mécru, mais fais-nous entendre les deux témoignages. هذا بالنسبة للحكم كحكم على لفظ الردة au sujet de l'apostasie. فإن طلق وقع الطلاق عندنا وعند الله. S'il divorce son épouse, le divorce aura lieu pour nous et selon le jugement de Dieu. سواء طلق بواحدة أو ثلاث وقع الطلاق. S'il a divorcé, le divorce a lieu, que ce soit pour nous et selon le jugement de Dieu. Et il a fait le divorce aura lieu. Parce que tu as été volontairement et tu as bu quelque chose qui est haram et tu sais qu'il a l'effet sur ta raison et par la suite tu as divorcé. Le jugement est pris selon l'apparence, le divorce aura lieu. الطلاق وقع. وحالة الإكراه فمن نطق بالكفر بلسانه مكرها بالقتل ونحوه وقلبه مطمئن بالإيمان غير شارح صدره بالكفر الذي يجري على لسانه فلا يكفر حالة الإكراه مهددا بالقتل أو ما يجر إلى القتل كقطع الأطراف. Maintenant la troisième cas où la personne qui a prononcé la parole de mécréance n'a pas mécru, s'il a été menacé par la mort ou ce qui ramène à la mort. Par la mort, c'est clair. Ce qui ramène à la mort, le fait de lui couper les membres et par la suite saigner jusqu'à la mort. Alors, le fait d'être menacé par ça, s'il ne dit pas une telle parole. Et il a dit, et le cœur n'agrée pas la mécréance, toujours agrée l'islam, n'agrée pas la mécréance. Il n'aime pas ce qu'il est en train de dire. Tu vois, alors à ce moment-là, il n'a pas mécru. Pourquoi on dit dans le cœur, il n'a pas agréé? Il n'a pas agréé, il n'aime pas la mécréance, il aime l'islam. Parce qu'eux, ils ont la menace selon l'apparence. Ils n'ont pas la menace sur le cœur. C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ » يعني هذا المكرة وليس كل أحد هذا المكرة إذا نطق بالكفر وهو منشرح الصدر للكفر كفر لأنهم هم أكرهوا على الظاهر لم يكرهوا على الباطن. Alors Allah سبحانه وتعالى a dit mais celui qui a eu le cœur apaisé pour la mécréance a mécru parce que la menace était selon l'apparence. Pour l'apparence, qu'est-ce qu'il a à voir? Ils peuvent rien faire pour ton cœur. Pourquoi tu as agréé par le cœur la mécréance? Pourquoi tu as aimé? Pourquoi tu étais satisfait? Pourquoi tu as eu le cœur apaisé pour ça? C'est de la mécréance. إذن الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. شوف الشرط إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أما غير المكره ما بتسأله قلبك مطمئن ولا مش مطمئن نص نص ولا ثلاث أرباع ربع. بكل الأحوال الذي نطق بالكفر وليس مكرها كفر ما بنسأله منشرح غير منشرح.
ما نسأل غضبان غير غضبان، هذا في غير محله، هذا بعض الجهلة الظلمة الضالين المضلين مثل سيد سابق المصري اللي عمل كتاب فقه السنة وضع هذا لأنه جاهل في دين الله، نقل من كتب العلماء وضع رأيه فطلع مصيبة، فطلع مصيبة. J'ai dit que tu vois dans l'aya l'exception sauf celui qui est sous contrainte et le cœur agrée l'islam. Il était sous contrainte et le cœur agrée l'islam. Et celui qui a eu le cœur apaisé pour la mécréance, alors ce sont les mécréants. Alors l'exception ici, que celui qui a été menacé par la mort, à condition que le cœur toujours agrée l'islam et déteste la mécréance. C'est dans ce cas qu'il n'a pas mécru. Mais s'il a été menacé, alors il a dit le kufr, la mécréance, et le cœur agrée la mécréance, aime la mécréance. Alors il a mécru, parce qu'ils n'ont pas de pression sur ton corps, ils ne peuvent pas savoir pourquoi tu es agréé par le cœur. J'ai dit, il y a quelqu'un, un égyptien, de ceux qui ramassent des livres. Il ramasse des livres, il prend le livre, il prend le là, et là, et là, et là. Comme il a dit à un ulama à Beyrouth, قيل له لما لا تؤلف ما عم تعمل لك شي كتاب مفتي مفتي مصطفى نجا أو هيك نحو من المفتين تعود بيروت قال خذ منها هنا وضعها هنا وقل مؤلفه أنا قال له لما بوركوا جو جيكري أما لما الواحد بألف كتاب مثل أبو حنيفة رضي الله عنه أو الشافعي الرسالة وكذا ils ont fait des livres pour le besoin pour laisser quelque chose qui est utile pour l'humanité, pour la communauté. C'est pas pour dire, tu vois, moi j'ai fait 10 livres, moi j'ai fait 20 livres. L'autre il dit, moi j'ai fait 40 livres. Tu regardes 20 et 10 et 40, qu'est-ce que tu as fait? Ah, j'ai pris les livres devant moi, je ramasse de celui-là et celui-là. Ah, voilà, c'est un livre. Deux, troisième livre, cinquième livre, dixième livre. Je suis en train de faire ça. Je suis en train هذه الكتب موجودة شو عم تعمل الدكتور الشيخ ما بعرف شو ولا الدكتور mais qu'est-ce que tu es en train de faire? À la base, on fait les livres avec une bonne intention pour le besoin. Tu vois? Alors Sayyid Saber, celui-là, Sayyid Saber, il a fait ce livre et il a dit oui, pour le kufr, celui qui prononce le kufr ne tombe pas dans le kufr que lorsqu'il a agréé par le cœur. Lorsqu'il quitte l'islam par l'acte, lorsqu'il fait l'intention de quitter, lorsqu'il rentre dans une autre religion, effectivement. Mais tout ça, ça n'a pas eu lieu ni dans le Coran, ni dans la Sunna. Tu es en train de dire quoi? On bat après, il a pris l'argument, le ayah, illa man ukriha. Mais ça, c'est l'ayah, c'est pour le mukra, c'est pas pour n'importe qui. Ça, il s'agit de celui qui se menace. Et il a pris le hadith, inna mal a'malu bin niyat. Mais les petits élèves, de ceux qui cherchent la science, les actes d'adoration, c'est pas tout acte, c'est les actes d'obéissance. On a besoin de l'intention, mais les péchés, supposons quelqu'un, Rahma, à chaque fois il trouve une femme. Tu vis avec les femmes, son mariage, comment ça? Non, je veux la connaître, l'intention. Je veux la connaître. Une fois qu'il me plaît, je me marie avec elle. Est-ce que ça marche? Ça marche pas. Ma bien, monsieur le hal, nous, on t'a en train de mal mara. La mana ou est zina. Wallah, il n'a ou est de zawaj à ba'din. Ma bien, monsieur le hal, zanet. Zanet. Wallah, ou mana ou est zina. Zanet. Chou mana ou est. Na ou est. A wahad, masalan, wahad, hekim. Rah à la France ou à la Suisse. Il a ramené 40 sortes d'alcool. Men France ou men Suisse ou. Ou les Alpes, ou le Vaud, ou le Jura, où il a commencé à boire et faire des notes. Boire. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais c'est haram! Ah non, moi j'ai pas fait l'intention de désobéir. Je suis en train de faire une étude de recherche, le meilleur par le goût, le meilleur par l'odeur, le meilleur. Mais celui-là, il n'a pas fait le niya. Mais est-ce qu'on doute qu'il a fait un grand péché? On ne doute pas. Alors, au sujet des péchés et la mécréance, on n'a pas besoin d'intention. Le péché est écrit, le kufr est écrit. Mais le hadith, al-amal ibn niyat, c'est les actes de bien pour qu'ils soient acceptés. Il faut avoir une bonne intention. Mais Sayyid Sabiq, il a cité ce hadith où?
que si tu prononces le kufur sans niya, il n'y a rien. Alors lui, il a mécru. Lui, Sayyid Sabiq a mécru. Tu vois le khatar, un واحد بعدين بده يدرس لحاله من دون معلم. Tu voyais le danger que celui qui veut apprendre tout seul sans être enseigné par quelqu'un digne de confiance, qui lui explique que ça veut dire le hadith al-amal ibn niyat, que ça veut dire illa man ukriha wa qalbun mutma'innun bil iman. Tandis que cette parole-là, que le kufr par la parole, il faut avoir l'intention de quitter l'islam, il faut rentrer dans une autre religion effectivement, il faut avoir le cœur apaisé, ça n'a rien à voir dans l'islam. Ma fi shi min hada, la fi al-Qur'an wa la fi al-Sunnah. Il n'y a rien, ni dans le Qur'an, ni dans la Sunnah. Il a dit quelque chose de sa tête, il a suivi al-Shawkani qui a dit quelque chose à ce sujet, wal-iyadhu billahi ta'ala, et il y a des gens qui répètent comme des perroquets sans réfléchir. Allah ta'ala يقول يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم لا قال انشرح صدره ولا قال من شرح صدره. Allah ta'ala a dit au sujet de quelqu'un qui a dit une parole de méconnaissance, il a insulté Sayyidina Muhammad, il a dit l'humilier. Allah ta'ala a dit, il jure qu'il n'a pas dit si, et ils ont dit la parole de mécréance, et ils ont mécru, et ils ont montré la mécréance après qu'ils ont montré l'islam. وآيات أخرى تدل على أن مجرد النطق يحكم على قائله بالكفر إلا الاستثناء اللي هو سبق اللسان غيبوبة العقل تبهنا أو سيأتي معنا المكره كما شرحنا الآن المكره المهدد بالقتل. L'exception, l'absence de langue, il a dit pendant l'absence de la raison, comme celui qui est devenu fou, ou celui qui est sous contrainte, menacé par la mort. شو يعني يعني إذا واحد قالوا المثقالك عينيك إذا ما نطقت بالكفر ليس له أن ينطق. Si on lui dit on te creve les yeux, oh, là, ils ont mis le deux fers là sur le feu, ils sont devenus rouges et ils l'ont mis devant ses yeux à 2 cm. Ils ont dit tu dis la parole ou les yeux vont être éteints. Il ne dit pas la parole de mécréance. Il patiente et il ne dit pas la parole de mécréance. De toute façon, même s'ils ont dit on te tue, c'est mieux de ne pas dire. Et ici les morts et les martyrs. على كل ولو قلنا يجوز إذا هدد بالقتل أن ينطق بالكلمة وقلبه مطمئن بالإيمان لكن إذا أبى هذا أفضل إذا أبى أفضل وإذا قتل فهو شهيد. طب هنا ومنرجع لموضوع أنه إيش هون آثر الدين. قال لك أنا ديني قبل لا لا ما religion avant tout. والمسلم إذا مات دون ماله دون عرضه دون دينه فهو شهيد. فأخواننا بغزة شو شهداء كيفما كانوا لأنهم يقاتلون دون دمهم ودون عرضهم ودون أرضهم ودون دينهم ويقتلهم وحوش ما بيعرفوا معنى الإنسانية. يقتلهم وحوش هم وأعوانهم وحوش. عندنا بيقولوا مثل السلاح بإيد الكذا بيجرح يعني بإيد الجبان. سلاح بإيد الجبان بيجرح. هؤلاء من أجبن خلق الله ومن أكذب خلق الله. التنبيه بعد ما ذكرنا هذا تنبيه ينبغي أن يضاف إلى قولهم مستثنى من الحكم بالتكفير من نطق بكلمة الردة حالة الإكراه وحالة سبق اللسان وحالة غيبوبة العقل كلمات. Le cheikh Abdullah il a dit après que les exceptions qu'on a citées, lapsus de langue et l'évanouissement ou la perte de raison et le fait d'être sous contrainte menacé par la mort. Il y a dit remarque que si on dit après la parole que l'exception c'est les, en étant sous contrainte par la menace de la mort, lapsus de langue, la perte de raison, il a dit encore, il y a des choses à dire. حالة الحكاية الكفر الغير فلا يكفر حاكي كفر غيره. ومستندنا آيات منها قول الله تعالى وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى ابن المسيح ابن الله. فالله يحكي لنا ماذا قال هؤلاء. فإذا حكاية الكفر عن الغير ليس كفرا لك. Parmi les exceptions, le fait de rapporter la parole de quelqu'un d'autre sans apprécier. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit que telle communauté, ils ont dit Uzair, fils de Dieu, comme d'autres ont dit Al-Masih, fils de Dieu, ou comme les autres, ils ont dit
Yadullahi maghloula. Ils ont dit Allah est avare, il a la main serrée, il voulait dire qu'il est avare. Et Allah Ta'ala kazzabahum faqal bal yadahu mabsoutatan, yani wasi'ul karam. Wasi'ul karam. ليش قلت أنا حكاية الكفر من غير استحسان؟ لأن استحسان الكفر كفر سواء قالها أو بس استحسنها في قلبه. Pourquoi j'ai dit rapporter la parole de mes créances sans apprécier, sans apprécier. Rapporter un tel a dit sans apprécier. Mais s'il a apprécié la parole de la mécréance, que par la parole ou par le cœur, c'est de la mécréance. مثلاً كتاب تلبيس الجهمية للمجسم ابن تيمية. Il y a un livre qui s'appelle تلبيس الجهمية. الجهمية c'est une secte et ils sont pas dans la guidée. Que soit Jahm ou Safwan et le secte, nous les musulmans, on sait c'est une secte. لكن الخبيث المجسم ابن تيمية ils essayent de nommer الجهمية الأشاعرة جهمية. هو لأنه جبان. ما كان يجرؤ. Il est lâche. Il n'arrive pas à débattre avec les grands imams Maturidi ou Ash'ari. Il est lâche. Alors, il attaque le Jahmiya par le nom, mais il vise l'Asha'ira ou l'Maturidiyya. Alors, dans son livre Talbis al-Jahmiya, qu'il a intitulé comme ça, Matbou' bil-Saoudiya, bi-ri'ayat wizarat al-Awqaf, l'an haïdol il-Nas, bi-yusurfu milliarat li-nashri al-kufr, al-Wahhabiyya, ما يسمى رابطة العالم الوهابي ما في شيء اسمه عنده هيدول رابطة العالم الإسلامي اسحبها اشيلها الليغ مونديال دو الوهابيين با اسلاميك ليغ وهابيت مونديال ils ont des milliards à donner pour qui ما تفكر لأهل غزة اصحى يا عمي tu penses qu'ils donnent pour les gens à Gaza non ولا tu penses pour les Somaliens ولا pour les Soudanais non Tu vois, toi, les Albanais, lorsque vous êtes au Hajj, vous égorgez les moutons. Même les moutons, les Wahhabites, ils utilisent que si tu es Wahhabite, on te donne, si tu es Wahhabite, on ne te donne pas. Moi, je connais des exemples concrets à ce sujet. Bref, c'est pour donner, ils impriment des livres et ils engagent des gens dans le monde. Ils engagent des gens, des imams, des écoles, des enseignants. Ils leur payent. La Ligue Wahhabite mondiale paye de l'argent du pétrole, qui est le droit de la communauté musulmane. Ils payent de cet argent-là pour propager la fausse croyance de la secte wahhabite. Voilà tout le secte wahhabite, ou le Daesh, c'est des criminels. Mais Daesh, à ma connaissance, ils n'ont pas tué des enfants. Ils n'ont pas égorgé des enfants. Mais les Wahhabis, ils ont égorgé des enfants. Comme les sionistes qu'ils tuent tous les jours des enfants. Et les Wahhabites, ils ont égorgé des enfants dans la ville de Taif, comme il a dit le juge de la Mecque dans le livre Tariq Umara al-Balad al-Haram à la page 296. Et il a dit ils ont tué les gens dans la mosquée et ils ont égorgé même les enfants sur la main de sa mère. Ils ont égorgé les enfants. Alors ces gens-là, ils dépensent l'argent pour les livres. Par exemple, عندهم كتاب سموه العشر الأخير, تفسير العشر الأخير, l'explication ou l'exégèse du dernier dixième du Coran. Parce que le Coran, 30 juzo, ils ont pris les trois derniers et ils ont fait une exégèse, un commentaire. Mais ça, c'est pas parce qu'ils aiment le tafsir, ils aiment propager le tafsir. Non. Pour qu'ils mettent dedans leur kufr, leur égarement, leur parole qui contredit l'islam, tout ça. Et ils ont imprimé dans 40-50 langues. Ils ont mis des millions pour ça, afin que les pèlerins prennent ces livres et ils vont avec le kufr et l'égarement. J'ai des exemples, je vous montre. يعني بس واحد اسمه عبد النبي يعني tu vas par exemple بي باكستان وبالهند وكذا بوكو النوم عبد النبي عبد المصطفى بوكو عبد المصطفى عبد النبي عبد الرسول معناه خادم ليس معناه هو ربه هذا عبده لا بعد dans ce livre là il y a quelqu'un qui a inventé une histoire que quelqu'un qui s'appelle Abdullah qui a dit à l'autre, tu t'appelles comment? Il lui a dit Abd al-Nabi. Alors il y a un débat entre Abdullah et Abd al-Nabi. Tu vois, le Wahhabi il s'appelle Abdullah et l'autre il s'appelle Abd al-Nabi. Après 15 pages
de dialogue, alors l'autre il reconnaît qu'il est kafir et après il revient à l'islam. Tout ça, ils ont mis dans le livre, ils disent l'explication du Coran. Qu'est-ce qu'il y a à voir? De là, vous comprenez qu'ils ont imprimé le livre pour propager la fausse croyance, leur idéologie. C'est pour cela qu'on a beaucoup de problèmes dans le monde islamique à cause de la secte wahhabite. Nous avons des problèmes kabira dans le monde islamique à cause أن كثير من الناس ما بيعرف يقول لك رايح على الحج وأنا عطوني كتب بمكة وعطوني كتب بالمدينة وعطوني كتب بالمطار وكتب بالتفسير وكتب بالصلاة وكتب بالصيام حتى بكتب الصيام وبكتب الزكاة وبكتب الحج بيحشوها بأفكارهم التجسيم والتكفير للمسلمين الذين يتبركون بالأولياء بيحشوها بالكفر والضلال وما بتلاقي عندهم ولا كتاب في العقيدة للإمام النووي للإمام الغزالي للإمام البيهقي للإمام الجويني للإمام الباقلاني ما بتجد عندهم هيدول الأئمة العظام لا تجد كتبهم في العقيدة إلا كتبهم العثيمين والجبرين وابن باز والألباني سيسكتو تروف يمكن الألباني ما كتير لأنه عندهم كان مشاكل طلع له نجهيمان نجهيمان تلميذه للألباني والألباني اللي بيعرف بيعرف واللي ما بيعرف بيقول كف عدس لما طلعت أول انتفاضة قال لهم ما بيجوز بدكم تطلعوا من فلسطين ما بيجوز تعملوا انتفاضة وانتوا داخلها بدكم تتركوا فلسطين تطلعوا يعني لو الألباني هون كان دغري قال له الحاخام دخيلك يا ألباني لحقنا جبلنا فتوى بيقول لهم أهل غزة بتطلعوا ما بيجوز تقاتلوا انتوا جوا بدكم تطلعوا برات غزة بعدين بتقاتلوا هذا الغبي المسمى الألباني له هذه الفتوى الضالة التي فيها الخزي والعار على كل نحن كنا عم نحكي عن تلبيس الجهمية ما هيك on a fait tout ce commentaire là dans le livre de تلبيس الجهمية en parlant de parce que Ibn Taymiyyah il rapporte la parole d'un grand مجسم عثمان مساعيد الدارمي هذا الدارمي المجسم بيقول وقد بلغنا أن الله لما يكون فوق عرشه بجبروته وكذا يثقل على الملائكة فتقع على تسو على ركبها فيلهمهم الله أن يقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله فيخف عليهم ولولا ذلك ما حمله العرش ولا السماوات والأرض ولا شيء ولو شاء لاستقر على بعوضة فاستقلت به بقدرة الله ولطف ربوبيته alors ابن تيمية dans son livre Il rapporte la parole de Othman Moussaïd al-Darimi. C'est un moujassim qui rapporte le hadith. Et des fois, il y a des gens qui trouvent, voilà, de Othman Moussaïd al-Darimi. Mais c'est un moujassim. Il croit que Dieu, lorsqu'il se met sur le trône, et il dit, il est tellement lourd que les anges, ceux qui portent le trône, tombent à genoux. Ils n'arrivent pas à le porter, malgré qu'ils sont des anges. Depuis l'oreille jusqu'à l'épaule, il y a quelques millions de kilomètres entre l'aube de l'oreille et l'épaule. Il y a quelques millions, parce que 700 années, distance 700 années par un oiseau rapide. Il a besoin 700 années de traverser de l'aube à l'épaule. Fais le calcul. Une heure d'un oiseau rapide, c'est 300 km à l'heure. Une heure, 300 km à l'heure. Par 24 heures, il y a combien? Par un mois, combien? Par une année, combien? Fois 700. Ça va sortir des millions. Il dit, ces anges tombent à genoux. Ils n'arrivent pas à porter. Pour lui, il est tellement lourd. Et Allah leur inspire de dire la hawla wa la quwwata illa billah, il devient léger. Et à ce moment-là, même Allah Ta'ala, il dit Allah, il peut se mettre sur un moustique et le moustique le porte où il veut, mais par sa volonté. C'est-à-dire Allah se met sur un moustique et le moustique le porte par la volonté de Dieu. Ibn Taymiyyah l'a rapporté en appréciant. Il a rapporté, mais il a apprécié. Il n'a pas dit c'est une parole de mécréance. Il a répliqué quand l'autre en dit « Regarde ce qui s'est dit là, qu'est-ce que tu es en train de dire, regarde !» Alors c'est une parole de mécréance, Ibn Taymiyyah l'a apprécié, alors c'est de la mécréance. « Hada huwa hikayatul kufr bi shart alla yastahsin, fa idha stahsana al kufr kafar, sawa naqalaha aw lam yanqulha, innama stahsanaha bi qalbihi. » Là, واحد, si quelqu'un est en train de faire un discours, il a dit une parole de mécréance, alors... Il y en a des gens qui applaudissent, ils ont mécru, parce qu'ils ont applaudi pour le kufr. Et il y a des gens qui ont répété après lui, ils ont mécru, parce qu'ils l'ont répété par après. Et celui qui l'a apprécié par le cœur sans rien dire, encore il a mécru, parce qu'il a apprécié le kufr. Hatta hadha al-wahhabiyya muttafiqun alayhi, biqulu istihsan al-kufr kufr. Même al-wahhabiyya, ils disent istihsan al-kufr kufr. Lakin al-wahhabiyya, عندهم التجسيم ليس كفرا, وهو كفر عظيم.
لأن المجسم ما عبد الله عبد صورة تخيلها. Al-Wahhabiyya, pour eux, le fait de croire que Dieu est un corps, c'est pas de la mécréance. Mais si, c'est une grande mécréance, parce que celui qui a cru qu'Allah est un corps, on dit qu'il a adoré une image sculptée par son imagination et il n'a pas adoré Allah, le Créateur, qui ne ressemble pas à ses créatures. ثم الحكاية الحكاية المانعة للكفر إما أن تكون أول الكلمة التي يحكيها عن من كفر أو بعد ذكر الكلمة عاقبها وكان في نيتي أن يؤخرها. C'est-à-dire celui qui rapporte la parole de mécréance, il dit au début, telle personne a dit, Darwin a dit que l'être humain d'horizon origine est singe. Alors celui qui dit ça, il n'est pas musulman. La ilaha illallah, il y a certains célèbres qui s'attribuent à l'islam. Il a dit, mais non, nous, ce que nous étions singes. La hawla wa la quwwata illa billah. Mais comment ça? Mais Abul Bashar Adam. Ou Wahattani encore, je l'entends, il parle souvent du Coran, ou il parle de religion, Coran. Après, il a dit, mais... Il a dit qu'ils ont tué Isa et ils l'ont crucifié. Mais non, ils n'ont pas tué Isa. Allah Ta'ala a dit wa ma qatalu wa ma salabu. Qatalu shibhahu. Ils ont tué celui qui ressemble à lui. Ils n'ont pas tué Jésus alayhi salam. Dieu l'a élevé au ciel. Yani, des fois, tu dis, mais ils vivent où ces gens-là? Avec cette célébrité, ils n'ont pas connu. La hawla wa la quwwata illa billah. Alors celui qui rapporte la parole de mécréance, il attribue à l'auteur au début ou à la fin, mais à condition qu'il a fait l'intention de retarder la parole, de rapporter la parole vers la fin, c'est-à-dire dès le début, il voulait dire, voilà, ça c'est la parole d'un tel, ça c'est la croyance d'un tel. Il a dit qu'à la fin, j'attribue cette parole à l'auteur. Alors là, il est sauvé. Là, il est sauvé. Allah. ممكن بعض الأحيان مثلا واحد إذا قال لك ماذا تقول النصارى فقال له فورا عيسى ابن الله إيه هنا حكاية ما أنت سألت ماذا تقول فأجاب الآخر كذا من دون أن يعيد تقول كذا لو قال لك ماذا قال فلان البارحة لما كنا في ذلك المجلس ماذا قال فأنت مثلا ذكرت كلمة الكفر مباشرة هنا الحكاية موجودة لأنه هذا إيش dans le contexte de poser la question. Qu'est-ce qu'il a dit un tel hier? Tu étais présent, qu'est-ce qu'il a dit? Alors, tout de suite, l'autre, par exemple, il a cité la parole sans dire telle personne a dit. Il a cité la parole de mécréance. Il n'a pas mécru, parce qu'il y a déjà sous-entendu par ma question, qu'est-ce qu'il a dit? Et il a répondu. Alors, ça, c'est clair. Aujourd'hui, il y avait des gens que je leur ai montré la parole de Ibn Taymiyyah, la parole de mécréance. Alors j'ai dit, fais la photocopie de la première page. Tu fais la première de... Pourquoi? Pour dire qui a dit ça, l'auteur du livre et l'auteur. Et après tu fais la photocopie. Sinon, tu dois écrire en haut, qila, ou telle personne a dit. Sauf s'il y a déjà le nom. Yani, enta am tsawwir, photocopie. فبتصور الحاكي للكلمة أول صفحة من الكتاب من الاسم المؤلف من كذا ثم تصور الكلام الكفري لأن لو فرضنا في صفحة كلها كفر ما فيها من قال ذلك ما فيك تصورها هيك وأنك بتكون طلعت الكفر مرة تانية من دون حكاية s'il y a une page dans laquelle il y a la mécréance et il n'y a pas d'auteur il n'y a pas quelqu'un qui a dit il n'y a pas l'auteur il n'y a pas le discours rapporté et tu as imprimé sur un autre livre. Alors par ton acte, le kufr est apparu dans une deuxième page. C'est pour cela qu'il faut soit écrire sur la page telle personne a dit, ou tu fais la première page du livre pour que tu sois sauvé parce que cette parole de mécréance a été dite par tel et j'ai déjà fait la photocopie pour dire que c'est lui qui a dit. Mesh. بعض الأحيان تفتح الانترنت. Des fois tu ouvres l'internet. وعارف انت لما بتفتح حيطلع الكفر مباشرة من دون حكاية. Des fois tu sais que tu ouvres l'internet, dès que tu ouvres sur la première page, par exemple ça va sortir le dieu de ce maman, c'est un éléphant par exemple. Dès que tu... alors ça va sortir. Alors tu dois dire
Ils ont prétendu un tel avant d'appuyer. Ils ont prétendu, ils en disent. Tu vois, c'est une parole de méclance. Il ne faut pas que par ton acte, tu vas faire apparaître le kufr. Il faut rapporter le discours rapporté. Telle personne, il croit à ça, il dit ça. من شان هيك كمان قلنا انه بعض الاحيان بدك تحذر من هيدي الشركه اللي بتعمل تصنع حذاء وبتكتب عليها اسم الله ما بتروح انت بتبعت الحذاء صوره الحذاء وعليه اسم الله لعند فلان وعند فلان لانه هذا ايش بفعلك انت عم يخرج من جديد على التليفون الفلاني والتليفون الفلاني اسم الله مكتوب على الحذاء فما مطلوب ان ترسلها انما تقول احذروا Alors, des fois, comme à un certain moment, il y avait une société volontairement, ou avec connaissance ou méconnaissance, ils mettaient le nom de Dieu sur le soulier en bas. Alors là, il ne faut pas envoyer la photo pour les gens, regarde qu'est-ce qu'ils ont fait, telle société, boycotter ça. Il faut dire telle société, il fait telle chose sans envoyer la photo avec l'image. Si tu arrives à écrire le nom de la société qui fabrique sans mettre, parce que il faut pas qu'on fait apparaître le nom de Dieu sur le soulier, c'est ça. Il faut pas le faire apparaître. Il faut pas le. انت مثلا بدك تعلم واحد بدك تقول له رمي المصحف بالزبالة كفر. بترمي المصحف شيء بتقول له بترمي المصحف تقول له هذا كفر ما بترمي. Tu veux dire à quelqu'un, jeter le Coran dans la poubelle, c'est la mécréance. Mais tu ne vas pas prendre le Coran et jeter dans la poubelle. Tu dis, tu vois ça, ça c'est la mécréance. Mais tu as jeté dans la poubelle. Ce n'est pas comme ça qu'on enseigne. Yani, il lui a donné un grand gifle. Ça c'est haram dans l'islam. Mais c'est haram sans gifle. Il ne faut pas gifler. Ce n'est pas comme ça qu'on apprend. C'est pour cela que nous, on a dit aux Shia. Parce que Shia, ils disent quoi? On ne peut pas voir Dieu. Puisque Dieu n'est pas encore, il n'a pas de taille, il n'a pas de volume, il n'est pas dans une place, il n'est pas dans une direction. On ne peut pas le voir. C'est ce qu'ils disent. Hatta Shia Boulou, si tu dis on peut le voir, c'est la mécréance. C'est les chiites. Alors, ils disent non, on peut voir Dieu. Et Allah l'a dit dans le Coran. Wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nafira. Wa fil hadith, innakum satarawna rabbakum. Vous allez voir Dieu. Mais sans comment, sans qu'Allah soit dans un corps, dans une place, dans une direction, sans qu'il aura une image ou un aspect, on le voit, sans tout cela, la preuve rationnelle qu'Allah existe, si Allah existe, on peut le voir. Mais, alors, maintenant, nous avons un dalil, Moussa a dit, Rabbi, arini, anvur ilayk. Nous avons un dalil, on leur donne preuve, Moussa, Nabi, azim. Moussa, c'est un grand Nabi, un grand Rasoul. Et il a dit, « Oh mon Seigneur, donne-moi la faveur de te voir. »« Rabbi arini, anvur ilayk. »« Anvur ilayk, je te vois. »« Donne-moi la faveur de te voir. » فهم ايش بيقولوا اه موسى سألها حتى يعلمهم انها ممتنعة ما هيك بيكون التعليم بعدنا عم نعطي مثال ils disent les chiites que oui Moussa il a demandé pour leur faire apprendre que c'est interdit déjà il était seul il n'y avait pas Banu Israël avec lui deux c'est pas comme ça qu'on enseigne Moussa tu vois je vais pas boire l'alcool il dit tu vas voir le fait de boire l'alcool comme ça c'est interdit mais il faut pas boire Et si on ne peut pas voir Dieu rationnellement et ce n'est pas valable de croire à ça, alors Moussa, il n'allait pas dire « Oh Dieu, donne-moi la faveur ». Ils disent « Il a demandé pour enseigner, ce n'est pas comme ça qu'on enseigne. On ne fait pas le haram pour dire aux gens « Vous avez vu, ça c'est haram ». Ce n'est pas comme ça qu'on enseigne. Et je vous ai donné l'exemple, on ne donne pas un gifle à quelqu'un et après on dit « Ça c'est haram ». Et c'est pour cela, lorsque... on ouvre l'internet et on sait qu'il va sortir la parole de mécréance, il faut dire le discours. Ça a été dit, qila, za'amu, voilà. Merci. Ou ana, bdi hadhirkum min ktir min al-al'ab li fiha. Haydoli, yani, mitr rusum mutaharrika. Ou haydi, bad al-ahyan. Kif dak tu l'hikaye, ma haydoli al'ab, ou ma al'ab. Bikoum b'alb al-lu'bi fiha kufur. Hada bid'as ala al-mushaf, bidous, ou hada bisammi halu ilah, ou hada. أنواع عجيبة غريبة شياطين عم تدير هذه الأمور من الإنس فحذاري يعني لا تلعب أنت ولا تخلي أولادك يلعبوا il y a beaucoup de jeux sur les internet et les téléphones dans lesquels il y a beaucoup de kufr beaucoup de mécréance
Et il rend les enfants un peu comme des gens perdus. Après, ils vivent dans un autre monde, monde virtuel. Monde virtuel. Et vous avez vu certains jeux, il lui dit, il faut que tu te tues maintenant. Alors, il prend le pistolet, il se tue. يعني فإذا في ألعاب مفيدة الرماية تعلموا الرماية بكرة بيجوك الصهاينة بدك تكون تعرف ترمي il faut apprendre à tirer parce que les sionistes ils sont là c'est des gens des criminels alors il faut apprendre à tirer pour se défendre نحن إلنا الحق ندافع عن نفسنا وهن ما إلهم حق يقتلوا النساء والأطفال on a le droit de se défendre mais les autres là les criminels les voleurs les voleurs des maisons, les voleurs des vergers, les voleurs des oliviers, les voleurs des terrains. Après, il vient chez toi, dit, cette maison c'est à moi. Et l'autre dit, mais comment? C'est la maison de ma grand-mère a hérité de ma grand-mère a pris de tel. Non, non, c'est à moi, ma religion me dit c'est à moi, il faut que tu sors, si tu sors, je veux te tuer. Et si tu te défends, tu es terroriste, mukharrib. C'est la réalité de la Sahayouni. La Sahayouni, elle est en train. La Sahayouni, elle est en train de se faire. C'est le bête, elle est en train. C'est le mahal, elle est en train. C'est le boustan, elle est en train. Et si tu veux te défendre, tu es en train de se faire. Et si tu veux te défendre, tu es en train de se faire. C'est des menteurs insolents. Insolents. واللي وراهم الإنجليز سي دي مونتور كوم او طيب فاذا لما واحد بده يكتب سي لو بروف ا ليكول il te dit écris et il commence à citer la parole de Mécrance alors tu dis l'auteur a dit le prof a dit telle personne a dit avant d'écrire la parole de Mécrance comme ça tu attribues la parole à son auteur كون نسبت الكلمة إلى قائلها فكتبت بعدما قلت فلان يقول فلان يقول هنا هلا بعض الأحيان بالامتحانات في الأسلوب الأمريكي بقول لك حط صح غطا des fois les choses sont compliquées un peu parce qu'il te pose une question il y a la mécréance et il y a faux ils disent X ou juste Et c'est une parole de mécréance. Si tu dis juste, comme tu dis, la mécréance est juste. Alors, il y a des choses, vraiment, il faut faire très attention. J'écris, moi, je suis contre ça. L'auteur du livre, il sait juste, moi, je suis contre, je ne suis pas d'accord avec lui, par exemple. L'auteur dont l'auteur, le prof nous a enseigné cette parole. Moi, je suis contre, je ne suis pas d'accord. Lui, il dit c'est juste, mais moi, je ne suis pas d'accord. Voilà. Il t'enseigne ici de dire ton point de vue. Mon point de vue, que la théorie de Darwin est faux. Mon point de vue, que ça, c'est faux. Dont l'auteur du livre, une fois, on a dit, comme ça. بآخر سنة بالجامعة الأوزاعي moi j'ai fait la théologie j'ai un diplôme bachelor à Beyrouth dans l'université mais la science que je vous enseigne c'est pas de cette université c'est de la chair de la part de Cheikh Abdullah on est d'accord elle a posé la question قال قارن il a dit donne-moi la comparaison entre les deux groupes réformistes deux groupes de bien, les groupes réformistes, les As-Sanoussiyin, comme Omar al-Mukhtar en Libye, As-Sanoussiyin, et Al-Wahhabiyin. Alors tu vois, il a dit deux groupes, bons groupes réformistes, As-Sanoussiyin et Wahhabiyin. Mais lui, dans le livre, il a dit quelque chose. Il a dit, on reconnaît, ils étaient sanguinaires au niveau de l'Wahhabiyin. L'auteur de il a dit oui c'est ils étaient sanguinaires. يعني بمرة هيك voilà ils ont fait bois ils sont sanguinaires. أنا قلت ما في سؤال واحد. Tu sais parce que c'est la moitié du livre. Cette question là c'est la moitié du livre. Il n'y a pas à jouer ici.
Il n'y a pas à jouer. Alors on commence. Haraka Sanusiya, Haraka Islahiya, naam. Le Sanusine, c'est un bon groupe de bien. Malikiya, Ash'ariya, Sufiya, voilà, j'ai loué comme tu veux. Et lorsqu'on est vers le Wahhabite, c'est une secte criminelle, comme l'auteur a dit, et l'auteur est un homme contradictoire. Il a dit que réformistes, mais ils sont sanguinaires. Comment on peut dire sanguinaire et réformiste? Est-ce que ça peut réunir criminel et réformiste? Le plus grave péché dans l'islam après la mécréance, c'est le fait de tuer. Comment vous pouvez dire ça? Et j'ai commencé à attaquer al-Wahhabiyya de tous bords. Après, j'ai pris Jayyid. Réussi, Jayyid. Jayyid ou Jayyid Jiddan, je ne sais pas. Soit il a écrit excellent, très bien. Et c'était celui qui a corrigé, un homme juste. Un homme, il a vu que j'ai les arguments, c'est vrai. Et moi j'ai dit, khalas, ben, je ne vais pas réussir. Comment? Tu dis à l'auteur, ce que vous avez écrit est faux. Hatta al-wahad, ma ikun mudahin, ou ma ikun hada jaban. Il ne faut pas qu'il soit lâche et il ne faut pas qu'il soit quelqu'un. On dit c'est quoi Mudahin? C'est lui qui fait le. Hein? Complaisant. Pour ne pas être complaisant et ni menteur, voilà. Il y a encore d'autres mots. Mais ils me disent à chaque fois et j'oublie. Barakallahu fikum, ahsanallahu ilaykum. Le sujet encore, il y a quelque chose qui est long. C'est pour cela que je ne vais pas l'aborder actuellement. Le fait qu'il a dit une parole de mécréance par interprétation, par faux interprétation. Alors là, il y a beaucoup de détails. On va le commenter, inshallah, la semaine prochaine. Allahu a'lam wa a'lam.